Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, va maintenant prendre la parole. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le président du Forum de Paris pour la paix, mesdames et messieurs, monsieur le président de la République française, je vous remercie de m'avoir associé à cette initiative louable qui va nous aider à saisir l'occasion d'échanger sur les voies et moyens d'établir une paix durable dans le monde. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'un des plus grands défis de notre temps, celui de gagner la paix, de la conserver et de la transmettre aux générations futures. Pour gagner cette paix, chaque homme, chaque État doit s'interroger sur sa contribution à donner des solutions aux défis qui menacent l'humanité, notre patrimoine commun. Car la paix, ce n'est pas seulement le silence des armes, mais c'est aussi l'apport de réponses aux problèmes liés à la jeunesse, à la famine, au dérèglement climatique et aux problèmes de santé comme les épidémies à virus. Pour préserver la paix, nous devons partager avec les autres, engager un débat sur les solutions évoquées par les uns et les autres. Ainsi, il est possible d'avoir un agenda commun, intégrant un certain nombre de valeurs transversales et donnant à l'homme et à la planète la primauté de nos efforts. Nous sommes bel et bien devant un défi majeur qui ne peut souffrir d'aucune négligence, d'aucun faux fuyant et j'ajouterai d'aucune solution superficielle. Les guerres, les conflits, le terrorisme dans le monde et l'insécurité doivent cesser. Il suffit de le vouloir ensemble et nous y parviendrons. Car il y va de notre responsabilité commune et l'histoire nous jugera. Je serais tenté de proposer une véritable coalition mondiale pour le rétablissement de la paix, ingrédient nécessaire pour le développement du monde. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler à cette auguste assemblée qu'aucun continent n'est épargné par l'insécurité. Vous conviendrez avec moi que je ne saurais en 5 minutes revenir sur le cas de chaque continent. C'est pourquoi je voudrais me concentrer sur l'Afrique et la République démocratique du Congo, mon pays. Aujourd'hui, l'Afrique, plus que tous les autres continents, est secouée par des conflits, des guerres et par le terrorisme. Il y a moins de 10 ans, l'Afrique de l'Ouest connaissait la paix et s'était dotée, à travers la CEDEAO, d'un outil sécuritaire de dissuasion et de prévention de tout conflit. Aujourd'hui, malheureusement, nous y déplorons le terrorisme de Boko Haram. L'Afrique de l'Est n'est pas épargnée non plus. Les terroristes Shebab sèment la mort et la désolation. L'Afrique centrale connaît aussi des conflits au Tchad, en Centrafrique, au Sud-Soudan. La République démocratique du Congo, située au carrefour de plusieurs communautés sous-régionales,
peut être considéré comme le pays qui en a payé le prix le plus fort. Les efforts ont été fournis pour la pacification du pays et aujourd'hui, 5 provinces seulement, grâce aux forces de l'armée, aux forces d'armée de la République démocratique du Congo et à la collaboration de la MONUSCO, restent encore frappées par l'insécurité. Tout en étant convaincu de l'efficacité de la solution militaire, je pense qu'il faudrait aussi élaborer tout un programme de sensibilisation des populations et du dialogue entre les différentes communautés. La solution militaire s'impose pour combattre les groupes armés, certes, mais en plus de cela, il faut répondre aux problèmes de la jeunesse qui a besoin de plus d'encadrement, plus de démocratie et d'emploi. L'Afrique, en général, avec sa position géostratégique, sa population jeune et ses ressources naturelles, doit cesser d'être un problème pour le monde, mais plutôt devenir un maillon important de la solution aux problèmes du monde. Mesdames et messieurs, pour revenir au cas de mon pays, je voudrais ici saluer la bravoure de notre peuple qui a subi dans sa chair et sur son sol un condensé d'horreur dû à l'absence de la paix. Mais malgré cela, sa force de résilience et son attachement aux valeurs de la paix sont restés intacts. C'est pourquoi nous l'avons engagé dans une lutte acharnée contre les antivaleurs. La République démocratique du Congo, aujourd'hui déstabilisée dans sa partie est, va très vite devenir une partie importante de solution aux défis majeurs auxquels le monde est confronté actuellement. En effet, le bassin du Congo et son grand massif forestier contribueront à la lutte contre le réchauffement climatique, thème cher à mon estimé collègue homologue Emmanuel Macron, ici présent. Ces terres arables bien exploitées peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont potentiel énergétique évalué à 100 000 mégawatts, dont 44 000 pour le seul site d'Inga. Son sol très riche en minerais stratégiques sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Mesdames et messieurs, je peux vous rassurer que la République démocratique du Congo répondra présent au rendez-vous du donner et du recevoir en ce qui concerne la paix et le développement durable dans le monde. Je vous remercie.